Et j'ai montré sur ça dans mes vidéos la preuve absolue. Souvenez-vous que quand j'avais montré sur la première mère Patricia, j'ai montré la preuve que c'est Patricia qui a créé son nom divin. Et le nom divin, Isis. Et que Isis, elle représente, elle définit toutes les naissances divines. Divinité, toutes les naissances divines. Donc tout ça vous trahit les religions du Christ, hein, puisque existe le temple patricien, et il existe le temple patricien Isis. Hein, comme il existe aussi le livre patricien et le livre patricien Isis. Hein, donc tout ça vous trahit. Fin de juger. Et ce qu'il est trahi de plus aux religions du Christ, c'est que j'avais dit ça dans mes vidéos il y a longtemps. Souvenez-vous que j'avais dit que c'est le féminin, qui a créé le masculin. Il y a longtemps de ça, j'ai dit ça dans mes vidéos. Et on a constaté que les religieux, ils disent créateur, créateur, créateur. Mais il faut comprendre que quand ils disent créateur, ils parlent du dragon, ils parlent du dinosaure. Christ à la Marduk, et que j'ai montré la vérité divine de Dieu, où Dieu précise que c'est le féminin qui a créé le masculin. Mais on a constaté que les religieux, ils aiment le désordre. Ils adorent les disputes, mettre les disputes, et ils adorent mettre le désordre. Mais il faut comprendre que eux, c'est eux qui mettent les uns contre les autres. Là, je parle sur ceux de Dieu. C'est eux, les religieux, les reptiliens, qui font de mettre ceux de Dieu, certaines tribus de Dieu Isis, les uns contre les autres. Donc, on a constaté sur ça, parce que eux, les religieux, les reptiliens, ils détestent le féminin de Dieu et ils détestent le masculin de Dieu. On a la preuve sur ça. Fin de juger l'éternel Isis. Et que je vous ai montré sur Jézabel, souvenez-vous, sur elle. C'est elle, la sorcière Jézabel, qui met les disputes. Ça veut dire que dans une famille, donc il y a certaines familles donc, qui sont de Dieu, donc qui sont liées sur les 12 tribus de Dieu Isis, du monde Horus, et c'est elle, Jézabel, la sorcière, qui met les disputes. Ça veut dire qu'on voit des disputes donc, de Jézabel dans les couples divins de Dieu, on voit les disputes de Jézabel dans les familles qui sont de Dieu. Et tout ça, c'est la sorcière Jézabel qui fait ça. Qui met les uns contre les autres. Donc, le 21 août 2020, fin de juger l'éternel Isis. Si Dieu a créé, c'est quand Dieu s'est créé, Patricia s'est créée et a créé le nom Patricia, donc tout ça n'est pas pour rien, puisqu'on a constaté qu'ils ont créé le nom patriarcat. Avez-vous remarqué sur ça? Ça fait depuis longtemps que j'ai vu sur ça. Parce que quand on voit le nom Patricia, eux de l'autre côté, les religieux, les reptiliens, ils ont créé le nom patriarcat, mais contre le nom patricien. On le constate sur ça. Donc, ayez très crainte. Il y a trop de preuves contre vous, les reptiliens, les religieux du Christ, de tout ce que vous faites sur toute la terre. Vous avez compris sur ça. Comme je vous ai expliqué, vous allez subir et vous allez souffrir sous la fin fatale. Et là, quand vous allez subir et souffrir, là, ce ne sera pas les scénarios diaboliques de Marduk. Hein. Ce ne sera pas des scénarios diaboliques. Là, ce sera vraiment vrai. C'est là qu'on verra vraiment sous la justice divine de Dieu contre les reptiliens.